À chaque côté, ça. Vous avez bien pris celle-là. Aujourd'hui à Sévrac, tous les salariés de Confort et Système se mobilisent pour déclarer leur mécontentement et aussi demander aux services de l'État de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider pour sauver cette usine qui est malheureusement quasiment condamnée. Jeudi matin, une manifestation est prévue aussi. Nous appelons toute la population de l'Aveyron, de Sévrac, les élus, et tous les commerçants à venir nous soutenir pour mettre tout en œuvre pour sauver cette usine. Donc, hier, au tribunal de Meaux, nos collègues de Bar-sur-Aube sont passés dans une audience où la procureure de la République n'a pas été très, très optimiste pour la reprise de cette entreprise par le groupe. Donc ce qui dit que ce n'est pas très bon aussi pour nous. Donc, ça fait quelques années qu'on est en difficulté, mais là on arrive dans un point de non-retour. Ici on a 220 salariés à ce jour, on a été 400 en 2006. Et 220 salariés sur le Sévéraguet et le canton, ça va être catastrophique et dramatique. Donc aujourd'hui, à part le groupe Koval, on n'a pas d'autres repreneurs. Et on travaille beaucoup avec la directe et la préfecture. On s'aperçoit que le bassin d'emploi est sinistré, où ça va être très très compliqué de retrouver du travail pour ces gens qui vont être licenciés. Donc les salariés ne sont pas tous de Sévrac, on a aussi beaucoup de salariés qui viennent de Lozère, de Millau. On a à peu près des salariés qui sont à une quarantaine de kilomètres de l'usine, donc ça va impacter une grosse partie de l'Aveyron. Thank you.